Bienvenue à Fernfield, là où rien n'est impossible. On va faire vite. Ok, Toby, tu es prêt là? Rappelle-toi, tu vas aussi vite que tu le peux. Allez, cours! Tu es sûre, hein? Bien, après dîner, tu es d'accord? Toby doit aller chercher Andrea à l'école. Faut pas qu'il traîne. Je te l'avais dit, Gordon, cette route nous conduit droit à Fernfield. Pas sûr, Doug. Je crois qu'on est perdu. Mais y voilà. Bienvenue à Fernfield. C'est tout droit jusqu'au musée. Ah, attention au chien! Alors, t'as compris, Golden? On se présente ici comme des plombiers, on a le camion, on a les uniformes, on est sûr de les rouler. Et dès qu'on a la voie dégagée, à nous deux le butin. Tu es un génie! Arrête, j'aime autant de pas y penser. Viens chez moi. C'est Toby, il t'attend. Salut Toby. Bon chien, tu viens? Oh, quel coup de chance de vous avoir sous la main. À croire que vous êtes médium, dites. Je m'apprêtais à appeler chez Plomberie Fernfield. Vous êtes nouveau en ville. En tout cas, ça cocotte par ici. Reste que vous êtes sans doute habitué. Mais nous, avec l'arrivée du joyau et tout, difficile d'avoir un lieu public qui en peste comme ça. Ah,
J'ai peut-être contribué à la sauce. Tu me reçois, Phil. Heure prévue d'arrivée du joyau dans une minute. Terminé. Désolé, les gars. Il faut que je vous laisse faire tout seul. D'accord, oui. Aucun problème, on reste. Delta Alpha 1-9, je me dirige vers le bureau du directeur. Et maintenant, je tourne à gauche. Ok, tu es prêt, là? J'arrive pas à croire que le joyau de l'éternité est en ville. Dommage, tu vas rater l'exposition. Je vais m'ennuyer de toi, et Fernfield. Si on allait surmonter le moral avec un Esquimau. Aussitôt qu'ils s'en vont, on fonce sur le diamant. On le fait dit, comme au bon vieux temps. La dernière arrivée d'une vieille chaussette. Écoute, non, ça me dit rien, là. S'il te plaît, une fois encore. Je sais pas... Non, c'est... Affamé. Attends-moi. Brisé. Nous puisse se glisser dans ce machin. Va falloir trouver quelqu'un qui le fera. Quand je pense que tu seras pas à la foire demain, on y allait toujours toutes les deux. Oui, ça me rend malade. Pas si vite, Toby. Encore Toby qui gagne. Super, plus que deux ou trois chargements et on décampe. Andrea, oh, vous êtes là, les filles. Tammy, ta mère est passée, elle te cherche partout. Elle a besoin de toi à la maison pour finir d'emballer. Si j'installais ma tente. J'ai fait ça pour toi. Oh, Tammy, c'est magnifique. Ouvre, allez. C'est la balle que tu avais lancée hors du parc, tu te rappelles? Je l'ai cherchée durant une heure après notre victoire. Oui, et moi qui me demandais où tu étais passée.
cette histoire de ne pas s'oublier. Moi, je t'oublierai. Tu seras toujours ma meilleure amie. Tu reviendras me voir pour mon mariage. Tu as un mari, ça y est. Tiens, ça, c'est pour toi. Oh. Pour que tu n'oublies pas de m'écrire. C'est sûr que je t'écrirai. Est-ce que tu me promets de me rendre visite? Bien, je me disais que je pourrais t'inviter chez moi à San Diego. Vraiment? Oui, si je le demande. Ce serait fantastique. Toby. Extinction des feux, les filles. Laisse-nous dormir. Mais j'ai besoin de Toby. Faut qu'on s'entraîne. C'est aujourd'hui. Bon chien. Oh, je savais que c'était ta voix, Andrea. Je suis contente que vous soyez debout, les filles. C'est l'heure, faut faire tes adieux. Ouais, j'aimerais ça avoir des nouvelles, tu comprends? Ok. Je t'écrirai une petite carte dès que je serai arrivée. Et je te promets de leur demander à propos des vacances. Saying goodbye. D'accord. As hard as I try, just isn't. Au revoir, Tammy. Salut. Wherever you go, I want you to know you're never too far from me. Tu me manqueras aussi, Toby. Encore rien fait de mal, la Dog. Place maintenant au clou de cet après-midi. Notre course de chiens avec obstacle. Cette épreuve est généreusement commanditée par le bar laitier Tilly et elle sera, comme le veut la coutume, commentée par son renommé propriétaire, Norbert Tilly. Bonne chance, Toby. Notre prochain chien s'appelle Toby Fram. Il est entraîné par Noah Fram. Il affrontera le champion de l'an dernier, Billy le Border Collie. Messieurs les entraîneurs, détachez-les. Tu es prêt, hein? À vos marques. Bonne chance, Toby. Prêt? Partez. C'est parti! Vite, cours, mon chien! Tu vas y arriver! Vite! Allez, tu vas y aller! Alors, regardez-moi le Toby! Cours! Dépêche, mon chien! Wow.
chacun de ces obstacles. Ce chien peut être la clé pour accéder à notre joyau. Faut qu'on attrape ce chien. Voilà ton ruban. Bravo. Ton trophée. Et notre grand prix, des coupons pour tout un bel été de crème glacée gratuite à notre bar laitier chez Tilly, votre serviteur. T'as entendu, Toby? On était complète crème glacée gratuite. Est-ce que tu as vu papa et maman qui te faisaient des signes et qui criaient « Cours, Noah, cours !» C'est ce que j'ai dit. Et tu as finalement fini premier. C'est aussi mon avis. Je crois que tu as bien mérité un verre de limonade glacée. Ouais. Je n'ai pas le cœur à jouer, Toby. Pas maintenant. Belle carte de Californie pour Andrea. Merci, Toby. Ouais. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Comment ça va aujourd'hui? Prête pour les grandes vacances? Eh bien, un congrès de vétérinaire dans l'Idaho est loin de l'idée que je me fais d'un séjour en vacances, mais nos valises sont presque prêtes. Bonjour tout le monde. Bonjour chérie. Bonjour papa. Ton projet avance? Tu as fini de préparer ta conférence? Ce matin, je dois finir mes graphiques portant sur la croissance des poulains. Tu sembles avoir retrouvé le moral, dis. Oui. J'ai reçu une carte de Tammy, regardez. Oh. Et devinez qui elle habite en Californie cet été? Moi. J'ai regardé les prix des compagnies aériennes et ce n'est pas si cher. Si on partageait la somme à moitié. Je peux travailler plusieurs semaines. Il y a des chances que j'y arrive. Mais... Dites oui, je trouverai un moyen. Pitié. Pitié. Écoute, Andrea. Attendons et puis nous verrons. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, merci. Aide demandée. Une autre couleur, s'il te plaît, Toby. Chérie, il faut que je fasse des courses pour l'arrivée de grand-mère. Est-ce que tu peux surveiller Noah? C'est ça! Quoi? Qu'y a-t-il? Oui, je peux veiller sur Noah. Ça te donnera un coup de main, pas vrai? Et grand-mère va être là, je pourrais aussi l'aider. Oh, j'y pense au fait. Il faut que je te dise, j'ai vu la nouvelle voisine, madame... Oh, peu importe. En tout cas, elle a un garçon de ton âge. Oh, je vais probablement le voir à l'école. Oui, je sais, mais attends. Ce serait vraiment chic d'aller le saluer. Tu vois, il arrive, chérie, il vient d'emménager. Et il connaît sûrement personne dans le quartier. Ok, maman. C'est gentil. Bye. J'y vais, à tout à l'heure. Bye bye, trésor. Bye, maman. Andrea, viens m'aider, s'il te plaît. Ok, dépêche-toi, Andrea. Le train est prêt à partir. Ça y est. Tiens. Cri
suis tous en voiture, Andrea. Tous en voiture. Encore. Tout le monde en voiture. On y va, mon chien. Tu, tu. Tchac, 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 tchou, tchou. Allez, Andrea. Tchac, tchac. Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 prochain arrêt, Californie, attention. Non, arrêtez chez le marchand de glace. Si c'est moi qui fais le chauffeur, on va en Californie. En voiture, mon chien. Yahoo! Mais Andrea, le train, il n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que tu dirais qu'on arrête, Noah? Non. Salut. Salut. C'était pas mon intention. Oh, je sais. Tu viens d'emménager? Je m'appelle Andrea. Et voici Noah. Et lui, c'est Tabby. Moi, c'est Connor. Saute la clôture, viens nous voir. Oui, il a raison. Tu peux venir. Tu veux mon Teddy? On s'en va en Californie. Dépêche. C'est là que je vivais. Quoi? En Californie? Ah, ma meilleure amie, elle y habite maintenant. Tu as emménagé dans son ancienne maison. Je fais des économies, je dois aller lui rendre visite. Qu'est-ce qu'on peut faire ici durant l'été, dis-moi? Faire les magasins. Manger de la crème glacée. Je veux dire comme sport. Ça dépend. Qu'est-ce que tu aimes? Patiner, les jeux de plage, un genre volleyball. Oui, il y a des pistes pour aller patiner. Et si tu veux faire du volley de plage, bien, ça doit être à la plage, pense. Je suis sûre qu'il y a une ligue pour l'été. Génial, je me renseigne. Andrea, le train a assez attendu. Noah. Bien, il faut que je te laisse. Bye. Bye. Le train démarre, faut que tu sautes dedans. J'arrête, on a assez joué. D'accord, Noah? 6, 7 et 8 et 9 dollars. Besoin de 600 dollars pour un voyage en Californie dans 67 jours. Économie pour la Californie. Oh, Toby, jamais je n'aurai assez d'argent. Tu vois, leur stupide course à obstacles suit presque le même genre de parcours. Le chien n'a qu'à remonter le conduit, comme il a remonté le tunnel, attrapé le joyau... et au retour, franchir les lasers. Tu es mieux de finir avant qu'on arrive. Parce que je n'étais pas censée te laisser manger d'autres crèmes glacées aujourd'hui. Salut, le chat. Bonjour, Donna. Andrea, je suis contente de te voir. Mon père est visible. Juste une seconde. Salut, tortue. Patrick, Andrea est ici pour vous voir. Je suis là, Donna. Hey, tu parles d'une belle surprise. Salut, Noah. Salut. Oui, toi aussi, Toby, hein? Qu'est-ce qui t'amène? Je cherche des idées, je m'inquiète. C'est pour l'argent que je mets de côté, je suis loin du montant. J'escomptais avoir très rapidement la moitié et je n'ai... Oh, allez, rentre, trésor, ce ne sera pas long, allez, dépêche. Qu'est-ce qui lui arrive, Madame Miller? Bien, c'est le tournoi de bingo annuel à Portland. Oh là là, elle déteste ce tapis à l'entrée. Ne lui en voulez pas, elle a les coussinets délicats. Oh, Zoé, allez, sors de là-dessous, petit trésor à maman. Fais-moi plaisir, chouchou, vais faire un bisou à maman. Sors, allez, sois gentil. Tiens, approche, on ne fera pas de mal. Ça alors, tu as la touche magique, toi? Juste un instant. Madame Miller, que diriez-vous que Zoé reste avec moi? C'est vrai, je pourrais la garder. Tu as déjà fait ce genre de choses? Non. Mais j'ai un chien, c'est Toby. Oh, le beau Toby! Oh, mais dans ce cas, tu seras chargé d'un petit chien. Tu as fait un tel travail quand je vois Toby. Oh. C'est une formidable idée. Zoé va adorer. Je cours à la voiture chercher son petit sac. Eh bien, écoute, je vais chercher grand-mère et je serai à la maison dans une heure. Hein? Gram, gram? Ouais! Hé, Noah, laisse-moi regarder ça. Il me semble que ce petit visage est bien sale. Ça goûte la poussière, ça doit venir de la route.
Andrea? Les affaires du chien sont dehors, je file. Bye. On y va, Noah. Ça va? Oui. Gran. Oh. Hey, regarde qui est là. Oh, regarde qui est là. Polly. Oh, mais comme te voilà grand. Oh, mais comme te voilà grand. Ok, Noah, sois gentil et aide-moi à monter les affaires de grand-mère, ok? Oh. Allez, on y va tout le monde. Chacun prend un morceau, hop. Pas trop chargé? Non, ça va. Oh, mince. Allez, Noah, allons-y. On monte et on va installer le perchoir de Polly. Ah, oh, ouais. Comme te voilà grand. Et Noah, tu conduis grand-mère à sa chambre? J'espère que tu seras confortable, maman. C'est la chambre de Josh? Hé, hey, Toby, il arrive, c'est ça? Ce gamin et son chien vont se pointer ici. Et c'est normal, non? Écoute, il a des tas de coupons de crème glacée sur lui. J'aimerais ça, avoir tous ces coupons, moi. Bien, il est temps qu'on y aille. Je veux y aller aussi. Oh, Noah. C'est un congrès qui réunit des vétérinaires, ce ne serait pas drôle pour toi? Alors qu'ici, tu vas follement t'amuser avec Andrea et grand-mère. Bonne chance, papa. Vous aidez bien grand-mère chaque fois que ce sera nécessaire. N'oublie pas qu'elle se laisse faire, alors tâchez de ne pas trop abuser, d'accord? Noah, ça vaut pour toi aussi. Pas question d'avoir de la crème glacée à manger à chaque repas. Ok, et comme vous le savez, grand-mère n'est pas la meilleure cuisinière au monde. Alors montrez-vous compréhensif, d'accord? Parce que grand-mère fait vraiment, vraiment ce qu'elle peut. On mangera tout, d'accord? Peut-être qu'on laissera son chou-fleur en brioche. Maman! Les enfants disaient à quel point ils adorent ta cuisine. Fantastique! Bien, j'ai justement un bon plat de chou-fleur en brioche, prêt à faire chauffer. Miam, miam! Andrea, tu m'aides pour les bagages? D'accord. Maman, oui. Je t'ai laissé nos numéros à côté du téléphone. Tu vas être bien sage. C'est okay. Parfait! Encore, et toi, bonne chance. Merci. Salut. Tu as trouvé la ligue de volleyball? Ouais. Et c'était comment? Dur. On n'a pas une équipe complète. Oui, c'est pas mal fatigant. Tu joues pas, toi, au volley? Non, je suis nulle. Hé, mais t'as un grand frère, il paraît. Oui, Josh, à l'université. Il reste l'été là-bas pour jouer au football. Je vois bien. Si t'as envie de te joindre à l'équipe ou si tu connais quelqu'un, dis-le nous. Ok. Bye. À plus tard. Personne dehors. C'est bon, ça y est, elles viennent de partir. Oh, crème glacée. Chut. Chut. Oh, chut. Regarde, Gordon. Les voilà. Hey! Chut. Tu vas nous faire repérer, quoi. Ce perroquet. Attends, je t'attrape. Ok, gars. N'y perds pas de vue. Attends-nous, Toby. Qui est-ce qui a mangé toute la glace? Chérie, casse-toi. Salut Noah! Salut Polly! Bonjour chérie! Salut Toby! Bonne journée! Merci! Toby, pas si vite! Où est-ce qu'ils sont? Bébé, beau bébé.
t'écoute, tu as un véritable don. Grand-mère, 40 beaux dollars de Madame Miller. Oh, comme elle a bon cœur. Oui. Tu sais, si je garde plein de chiens, j'ai des chances de pouvoir partir en Californie en fin de compte. Oh, c'est un ange, cette petite, je vous le dis. Un ange qui me vient du ciel. Ma chère Zoé a été choyée comme jamais. There ain't nothing that we can't do together, together. Just take a look at what we've been through together, together, me and you. Tu vas voir comme tu vas le dire. Well, a big dark cloud has drifted away. Besoin d'une gardienne pour votre animal domestique? Appelez Andrea. Oui, je vous inscris pour le 18. Noah, tu tiens bien, hein? Ah, ouais, génial. Qu'on attrape cet oiseau. Je croyais qu'on voulait le chien, Dog. Mais l'oiseau risque de se laisser capturer plus facilement et après on s'en sert d'appât. Les frappés, un cône, un sundae ou un banana split, vous trouverez tout chez Tilly. Laissez-vous tenter et pour cela, inutile d'aller bien loin. On a toutes les saveurs. Pas de problème. Au bar chez Tilly. Ils ont Tilly chacun leur bol. Centre-ville de Fernfield, coin Kitty et rue du Musée. Votre chat est-il un gourmet? Votre chat est-il un gourmet? Oui. Oh, inutile d'en apporter un, ça va. Aucun problème. Oui. Polly, oui, je leur donne à tous les bains. Pour demain? Pas de problème. Bonne partie, Noah.
C'était pas moi, c'était Toby. Écoute, j'ai mon entraînement bientôt. Rends-moi mon ballon. Ok. Attends, j'arrive. Noah, la porte! Je vais vous rappeler. Noah, tu restes ici. Connor, aide-moi. Grand-mère a amené cet oiseau de malheur. Où est-ce qu'il est, au fait? On est dans Tsaldra. Tsaldra! Oh, oh non! Oh, attention! Si j'inclus les dommages de mon stand, disons qu'on va arrondir à 120 dollars. Je suis désolée. C'est ça, je verrai pas la Californie. C'était peut-être une stupide idée au départ. C'est presque au milieu de l'été, pas question maintenant de tout recommencer. Je sais, je me sens très mal. Il a juste voulu me rendre mon ballon. C'est la faute de personne. Sauf Polly. Oh, il faut que j'aille vite m'entraîner, je suis en retard. On se revoit plus tard? Oui. Merci d'être revenu avec moi tout à l'heure. Bye. Est-ce que je peux entrer? Est-ce que tu l'as trouvé? Non, pas encore. Je sais à quel point tu tenais à ces vacances chez ta mère, Andrea. Je crois que je ne retrouverai pas une autre amie dans son genre. Oui, peut-être. Mais la vie est comme ça. Elle nous réserve parfois des obstacles et, avec le temps, il nous faut apprendre à y faire face. Je ne dis pas que c'est facile, loin de là. Mais il est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre alentour qui se cherche une amie. Et il est possible que tu aies un peu de place dans ton grand cœur pour cette personne-là. Malheur.
Andrea. Je donne tout mon argent. Mais comment tu vas te payer ta crème glacée? J'ai les coupons, regarde. Oh. Merci, Noah. Il est pas là, Polly? Pas encore, mais il va revenir. Dis, est-ce que je peux rester pour dormir? Oui, bien sûr. Sais-tu, il n'y a plus personne qui viendra à cette heure. Je vais aller me voler un soda au magasin du coin. Ramène-moi un pepperoni séché, veux-tu? Doug, tu ne voudras jamais me croire. Qu'est-ce que tu attends, mon sang? Coucou, le petit oiseau. Viens ici, approche. Laisse-toi faire. Et ça y est, je t'ai eu. Il t'a eu. Bon, maman. Les championnats de volley-ball de plage vont commencer. Et tu sais quoi? Le Grand Prix est un voyage pour Malibu où se tiendra le tournoi de pro volley-ball de Californie. Malibu, Andrea, c'est en Californie. Quoi? Tu as dit Californie? Oui, j'ai dit Californie. Non. Si! Toute l'équipe y va si on gagne le tournoi. Oh. Ok, qu'est-ce que je fais alors? Maintenant, n'oublie pas, l'œil sur le ballon. Tes mains bien en l'air, comme ça au-dessus de la tête. Essaie de la prendre pas en dessous. Ouais, c'est ça. Maintenant, on essaie la manchette. Tes bras étirés, là, comme ça. Les pouces vers le bas. On essaie? Ouais, presque. Pas mal. Ok, une dernière chose qu'il faut que je te montre. C'est le smash. Wow! C'est dur ce coup-là. Ça viendra aller. Rappelle-toi. Là, sur le ballon. Ouais. Essayons. Va falloir travailler celui-là. Oh, ils s'exercent depuis des heures. Ces jeunes doivent mourir de faim. Oh, je parle comme si tu étais encore là. Où es-tu, Polly? C'est bien connu, les ados ont toujours faim. Et pensez aussi aux gourmands. D'accord. Raisin et laitue. J'ignorais que le volley-ball pouvait être aussi amusant. Je rencontre l'équipe quand alors? L'entraîneur est là-bas derrière. C'est Chris, Tasha, Billy et Justin. Salut. Un joueur de plus m'a semblé être une bonne idée. On n'était pas assez à 5. Entraîneur McKay. On a la nouvelle recrue, elle s'appelle Andrea. Salut, merci de m'avoir accepté, monsieur l'entraîneur. Je suis un peu novice, mais je sais qu'il faudra travailler très fort. Ok, échauffement maintenant. Pas de temps à perdre, on fait des passes et on se remue. Hé, à la bonne heure, ouais. Bon, ok, je suis prête. Attention. Ah, c'est ça. Oh non, je suis désolée. On perd pas le rythme. Ok. Tu te concentres, Andrea.
Super. Oh, c'est trop. Oh oh. Belle reprise. Bel effort, Andrea. Je l'ai. N'oubliez pas, surtout, vous êtes la balle, compris? Ouais, oh, okay. Non, rien de grave, allez, ça continue. Donne la patte. Ok, en jeu, on y va. Je l'ai. Ok, par-dessus le filet à l'avenir, encore plus haut. Bravo, Andrea. Ouais, très bien. Ne regarde que le ballon, Andrea, ne pense à rien d'autre. Ok, n'oubliez pas, on reste concentrés, mes amis. Oh, ok, non, c'est parfait, ouais. Bon, alors, on a un match contre les rats demain. Je vous suggère à tous une excellente nuit de sommeil et comme dîner des pâtes fraîches. Alléluia! Ouais, ouais, on les aura! On les aura! Allez, on y va. Dans le jardin, c'est moins dur. C'est une question d'habitude. Je suis nerveuse pour le match demain matin. Tu t'en sortiras. Polly! Cette fois avec l'appât. On va aller pêcher. Non, gros crétin, on va tendre un piège à ce chien. Ah. Hé, hey, mon beau. Hey. L'équipe s'appelle comment déjà? Les rats de Riverside. Ils ont gagné le championnat local 2 ans de suite. Ok, l'équipe. Main ici. Feu. Tiens, trésor. Non, merci, Gram Gram. Je vais chercher Polly. Oh non, Noah. On l'a recherchée presque toute la matinée. Et Andrea est là et elle a besoin de notre appui. On va le retrouver bientôt. Il risque de s'ennuyer de ma cuisine, moi je le connais. Tout le monde en place, allez! Ouais! Service.
point va au rat. Des loups. Service pour les loups. Je l'ai. Ouais. Oh, bien joué. Bravo. On va les avoir. Allez, laissez-vous pas abattre. Point de match au rat. Je l'ai. Ouais, vas-y. Vas-y. Oh. C'est beau. Je fais la passe. Moi. Vas-y. Plus haut. Smash. Attention. La voilà, la voilà. Je l'ai. C'est à moi, à moi. Andrea, à toi. C'est incroyable. Oh non. Quel dommage. L'équipe des rats l'emporte. Elle est changée. Elle est allée. Ne t'inquiète pas, on les aura la prochaine fois. Pas grave, vous aurez votre On banque. Garde le moral. Une chance qu'il nous reste encore quelques matchs d'ici les tournois du championnat. Vive les loups, mes amis. Je crois que c'est l'une de tes meilleures parties. Grand-mère, j'ai jamais joué. Oh, pas grave, c'était du tonnerre. Je mangerais bien une crème glacée, moi. Rate de peu la victoire. Ok, on travaille ton smash. C'est ça. Génial, bien joué. Ça y est, je m'améliore. Éclatante pour Thornfield. Alors? L'œil sur le ballon. L'œil sur le ballon. Débute demain. Au revoir, maman. Plus qu'aujourd'hui, et c'est le grand match. Ouais, on rigole plus. Oui. Salut, Tasha. Est-ce que ça va? Non, j'ai appris une nouvelle. Tasha ne jouera pas avec nous. Oh. Quoi? Oh non! Ses parents viennent de décider qu'elle irait passer le restant du mois chez sa grand-mère. Mais elle est excellente. Ouais. Et le tournoi? C'est comme ça. Oh, bon sang. J'ai une idée. Où est Noah? Noah? Ce n'est rien qu'un... un petit, tu ne crois pas? Pas de problème, je m'en occupe. Je reviens dans 2 minutes. La revoilà! Elle rigole! Thank you.
J'ai vu Toby à l'œuvre et il est redoutable. Mais il n'a rien d'un joueur enragé. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, l'équipe. Moi, je dis qu'on fonce et on finit le tournoi. De brillants débuts pour la recrue de Fernfield. Les loups battent les molosses. Les loups en demi-finale. Ok, les jeunes, l'heure est grave. 2 points de plus et on gagne notre place dans le championnat, ouais. Et vous savez ce qui se passe si on l'emporte, hein? Mes valises sont prêtes. Fernfield! Ouais! On y va! Ok, là, en jeu! Je l'ai.
Point de match pour l'équipe de Fernfield. Attention! Oui! Je l'ai! C'est bon? Oui! Il faut encore gagner le match demain matin. Les jeunes, tâchez de tous être là à 8h30 pour le réchauffement. Avec tous nos bagages, c'est ça? On affronte les rats. Essayez de dormir. On leur réserve tout un match. Allez, debout, on a le réchauffement. Il n'est que 7h, bon sang. Pas grave, allez, allons-y. Ok, donne-moi une petite minute. Oh, dis donc, tu t'es levé bientôt? Oui, Connor veut qu'on soit là-bas de bonne heure pour s'entraîner. Viens, Toby, il faut qu'on pense à s'entraîner aussi. Tu veux t'entraîner pour quoi au juste, Noah? Oh, rien, c'est personnel, Gram Gram. Pas grave. Oh, mais... Pour le concours de dégustation de crème glacée. Oh, tu ne traînes pas, hein? Toby doit être au terrain de volleyball à 8h30. Surtout, veille à ce qu'il soit là-bas. On sera à l'heure. Hé, oh. Hey, Connor. Oui? Je me demandais, une fois la saison et le championnat terminés, on pourrait continuer à jouer tous les deux? Bonne idée. Veux-tu dire à cet oiseau de la fermer? Ici, Toby. Il est déjà là. Je le vois. Je cours à notre porte. Hé, hey Gordon, c'est pas notre chien. T'as raison, c'est lui, vieux. Bien, Noah. Il semble que tu aies trouvé la porte arrière. Il est encore tout pour de la crème glacée, non? J'ai le droit. Deux coupons, alors. Sors vite, l'oiseau. Bon, oui. Allez, promets-toi. Ok, petit, chante maintenant. Non, la pub télé. Fallait me dire les titres. Eh bien, en général, je commence à servir juste une heure plus tard, mais vu que tu es maintenant mon meilleur client, ça passe. Hé, hey, mon beau, tu connais ce bipède? Merci, et à demain, monsieur. Maintenant, au musée, en route, Gordon! J'ai ta crème glacée.
Bonjour à tous. Je suis le shérif Bob et aussi le représentant officiel de la ville. Je voudrais donc, au nom des loups de Thornfield, vous souhaiter la bienvenue à la finale tant espérée de notre tournoi estival de volleyball. Quel meilleur gars! Ignore ce qu'il y a. On connaît l'heure du match pourtant. 15 minutes et on commence. Je sais, oui, je sais. Toby? Toby? Encore 2-3 minutes, c'est tout le temps qu'il vous reste. Les amis, c'est sûr que c'est pas ce qu'on voulait au départ. Mais j'ai bien peur qu'on n'ait pas d'autre choix. À vos places sur le terrain et on donne tout ce qu'on a. Allez, l'équipe des loups, vous êtes quoi? Toute une équipe de loups, Où est Toby? Comment ça, je le croyais sur place, ma chérie? Oui, c'est vrai, je le connais. Ne t'inquiète pas, on va le ramener. Oui, on va le trouver, Andrea. En route. Allez, les loups. Toi et ton ami, ce serait mieux de coopérer. Oust. Les loups! Ouais! Je l'ai! Rien. Allez, les gars! À moi! Ah! Je l'ai! Le clap! Oh, dommage! Et un autre point pour les rats qui sont en pleine forme! Pour toi, ce sera pas sorcier. Tout ce que tu as à faire, c'est de courir jusqu'à l'autre bout du tunnel et de nous ramener le diamant. L'équipe d'IA accentue son avance. Ah, c'est beau ça, les gars. Ouais, bien joué. Maintenant, tu reviens en franchissant les lasers, mais sans les toucher, mon chien. Oui, sans les toucher. Avance. Thank you.
les rats. Ça va mal pour les loups, mes amis. Gentil le pépère, gentil. Rapporte ici le joli diamant. C'est bien. Tu y es presque. Oh là là. Non, pas non, ça, non, du pas cap... Non. On redresse la queue d'un poil, un, deux ou trois degrés, c'est tout. Miaou. 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 Oui, je veux sortir. Ouais. Oh. Oh. Avance. L'absence de Toby se fait réellement sentir, pour ce temps. Voilà, ça y est. Hé, hey, regarde, c'est Toby. Bouh. Allez. Coucou. On est de retour. Toby. Désolé de ne pas être là, venez nous rejoindre à la plage. Bisous, Gram. Là, le voilà! À nous deux! Ah ah, il est sur le manège! Allez, je prends la girafe! Et moi, le petit train jaune! Ah ah. Officiel Bob, j'écoute, shérif Bob. Shérif, le diamant. Joyau de l'éternité, on l'a volé. Deux gars et un chien. Toby arrive. Il est là. Ouais, je crois que je les aperçois, terminé. Par tous les diables, ça alors! Merci, Toby! Ah, misère, oh non, ça passe, oh non! Bougez pas, sale
Il nous encercle, Gob. On va se rendre. Essayez-moi. Pitié, empêchez le monde de tourner. Allez, en voiture. Non. Monte, fais ce qu'il dit. Beau travail, Toby. Maintenant, si je me trompe pas, mon chien, tu as un match à remporter. En piste. Ok, chers amis, cette fois, Toby sera de la partie. Lâche pas, Toby, et bonne chance. Je suis content, notre... Et maintenant, place au volley-ball. Service à l'équipe des loups. À moi, elle est à moi. Allez. Ici, je l'ai. Attention, là. Le point va à l'équipe des loups. On va les avoir. Suite à une magnifique passe d'Andrea, l'équipe des loups s'accroche et remonte la pente. Oh, vous voilà. Oh, quelle surprise, vous êtes là. Maman, papa, enfin. Alors, tu as été bien sage. Tu nous as manqué. Vous arrivez juste à temps. Andrea et Toby jouent un match du tonnerre. Attention derrière. Cette fois, on a des chances. Ouais. À moi. Laisse, je l'ai. Ok, je l'ai. Je l'ai. À moi. Oh. C'est pas fini. Quel smash. Danson nous l'a servi bien épicé, celui-là. Service aura. Tu peux y aller. Ouais. Ok, il y a un moyen de gagner. On s'est rendu en finale, pas question de perdre. On veut tous aller en Californie, pas vrai? Oui. Exactement, à l'ordinaire. Fun-ville! C'est gentil. Tu iras rejoindre Tammy en fin de compte. C'est grâce à toi si j'ai réussi.
Encore merci, Connor. Pas de problème. Merci aussi, Toby. Va falloir faire vos valises et être prêt à mettre le cap sur la Californie pour le tournoi de volley-ball de plage, les amis. Youhou! Le dernier halo est une vieille chaussette. Ouais! Attendez-moi! Tout le monde à l'eau! Hé, Toby! C'est reparti, cher public. Nous voici de retour sur la plage de Malibu pour la finale de notre tournoi invité de volleyball professionnel. Je n'arrive pas à croire que tu sois là, Andrea. T'as raison, c'est fou, hein. On devrait se voir tous les étés, ce serait bien. Gabby Reese et son partenaire Toby sont à un seul point de la victoire. Je l'ai. C'est parti, attention, balle de championnat. Ok, Toby, en place, point de match. Tu as joué comme un champion. J'ai gagné!